il y a 2 ans, quand j'ai commencé à me dire que... Enfin, on m'a dit, tu sais, ce serait bien, ça fait 2 ans et demi que t'as pas sorti un album, il faut en refaire un. Je dis, bon, ok, d'accord, ben ouais, c'est cool, on va en refaire un. Mais bon, j'avais vraiment pas d'idée. Comme je suis plus un lapin de 3 semaines, on va dire que ça fait un petit moment déjà que... bon, j'ai pas 50 albums derrière, mais j'en suis à mon 12e ou 13e, je sais plus, ça commence à être pas mal. En fait, je m'ennuie assez vite, en fait. Donc il faut toujours que je fasse quelque chose pour... et j'essaie d'aller me motiver quelque part pour essayer de ressortir des choses intéressantes. Et là, de sortir le 11e ou 12e album de David Hallyday, enfin, ça me... Déjà, rien que le fait d'y penser, ça m'ennuyait, moi, déjà. Donc je me dis, bon, ben, on part pas vraiment sur un bon pied. Donc si moi ça m'ennuie, ça risque d'ennuyer les autres. Enfin, j'ai toujours tendance à penser ça. Et donc je me suis dit, je vais prendre un break et je vais essayer d'aller choper des émotions et des choses fortes ailleurs. Et je vais essayer d'aller retrouver ce qui moi me plaisait dans la musique avant aussi. Parce que c'est quand même un métier d'insouciance, en fait, et je vais retrouver un petit peu cette insouciance et laisser tomber un petit peu le côté formel du métier, de tout ce que ça représente, le côté... je voulais vraiment m'isoler, et donc je suis reparti là où j'ai grandi, aux États-Unis, et j'ai été revoir... J'ai traîné pas mal avec mes potes, avec qui j'avais fait mes premiers groupes, tout ça. Et en fait, ça m'a redonné de l'énergie. Et je suis revenu ici avec des idées en tête, j'ai commencé à écrire et j'ai commencé à trouver une direction dans laquelle j'aimais bien. Et je me suis dit, bon ben voilà, j'ai commencé dans des groupes, je pense que j'ai envie de refaire un projet comme ça et de retrouver ce qui me plaisait, c'est-à-dire faire de la musique avec mes potes. En fait, moi, il n'y a que ça qui m'éclate. Et donc j'ai été trouver des potes avec qui j'avais envie de faire la musique et retrouver des bases aussi. Et ici, c'est très très fort, c'est très chargé d'un point de vue émotionnel. Et il y a toujours eu beaucoup de musique dans cette maison. Et je ne remercierai jamais assez le nouveau propriétaire de cette maison qui nous a laissé envahir sa baraque, la transformer en studio et revivre un petit peu ce que moi j'ai vécu quand j'étais gamin. Donc c'est extraordinaire de faire ce projet ici. Il s'en dégage beaucoup, beaucoup de choses. On se partage les tâches, ouais. Parce qu'on a... Avec Olivier, on a un toucher différent. On a un peu le même style, mais en fait, on joue pas de la même façon, forcément. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, on a 13 titres, on va faire la moitié chacun. Et puis, voilà, donc on s'est partagé un petit peu les tâches comme ça. Et c'est plutôt assez rigolo de voir. Et ça s'entend sur les titres. Il y a des vibes différentes. Et en fait, c'est ce que moi, je recherchais. Je recherchais cette ouverture un petit peu. Et tout le monde joue d'autres instruments aussi. Olivier Fraîche, qui est à la guitare, bon, il joue de... Baldi, il joue aussi de... Ils jouent tous du clavier, de la guitare, de la basse, donc c'est vraiment très très sympa de le faire comme ça, c'est vraiment open, quoi. Donc c'est cool d'avoir des musiciens qui savent jouer d'autres choses aussi, que leur propre instrument, parce qu'il y a des touchés un petit peu différents, et c'est... d'une chanson à l'autre, ça se ressemble pas, quoi, c'est ça que je voulais.